Voilà, vous vous trouvez ici face à la pièce d'appel de l'exposition. Alors, comme vous le voyez, c'est une pièce qui est imposante, qui est volumineuse, qui est pondéreuse, qui est riche en couleurs, qui est totalement différente de tout ce qu'on peut trouver dans le monde romain, hein. D'habitude, les sculptures romaines ont plutôt une apparence blanche. Vous avez ici quelque chose finalement d'assez kitsch, qui dénote totalement. Mais là, c'est pas seulement pour son aspect qu'on l'a sélectionnée comme pièce d'appel de l'exposition, mais aussi parce qu'elle vous offre un premier face-à-face avec le dieu. Un dieu qui n'a pas une apparence figée comme celle de nombreuses divinités romaines, mais qui est en mouvement, qui est en action. Il tue ici un taureau, et pas n'importe quel taureau, il tue un taureau fabuleux, c'est lié à son histoire, c'est lié à une légende qui se décline en fait sur toutes les images qui parsèment ce relief, car il n'y a pas de texte qui nous raconte l'histoire de Mithra. C'est un grand livre d'images, des sculptures, des peintures, des reliefs qui se réfèrent à cette histoire assez incroyable. Donc un objet qui nous raconte ce mythe, mais aussi un objet qui était utilisé au sein du temple. Donc il a une importance cultuelle directe, cet objet. D'ailleurs, on l'a retrouvé dans un sanctuaire en Germanie, sur le site de la ville de Francfort, où il y avait évidemment une ville romaine par le passé. Ce relief, donc, il était contemplé par des fidèles qui étaient réunis dans le temple et en fonction des cérémonies, on pouvait le tourner, ce relief. Il est mobile, il pivote sur un axe central. Tantôt on voit le taureau, de l'autre côté on voit le banquet du dieu avec le soleil. Alors, si on l'a choisi, c'est aussi justement parce qu'on voulait mettre en valeur l'un des partenaires de notre exposition, qui est le musée archéologique de Francfort. Il faut savoir que l'exposition de Marimont se déplacera à Toulouse et ensuite à Francfort. Francfort qui nous a prêté de nombreuses pièces que l'on verra dans l'exposition. L'exposition nous emmène dans le monde romain, un monde où les dieux sont innombrables et où ils sont omniprésents. On les vénère dans des temples publics, et vous avez derrière moi une maquette de temple romain, pas n'importe quel temple, il s'agit de la maison Carrée, qui est le temple romain le mieux conservé de l'Empire. Et on les vénère également chez soi, à la maison, dans des petites chapelles qu'on appelle l'arrère. Et c'est la vitrine qui se trouve juste à côté de moi. L'arrère, le nom dérive des lares, qui sont les divinités protectrices du foyer. Les Romains, les maîtres de maison pouvaient choisir leur divinité. C'est pour cela qu'on pouvait retrouver des dieux typiquement romains, comme Jupiter, mais aussi des divinités dites étrangères. Et on a notamment dans cette vitrine une statuette en bronze qui représente la déesse égyptienne Isis. Donc on retrouvait des divinités importées d'Égypte, mais aussi de Perse. Et dans ce monde foisonnant de divinités, il y en a un qui est très particulier. Son nom est Mithra. L'exposition commence dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde contemporain, et fonctionne au début en à rebours. Donc, on va remonter le temps jusqu'à l'Antiquité romaine. Donc, on découvre que Mithra, il est toujours vivant dans le monde d'aujourd'hui, dans notre culture populaire. On le retrouve dans le cinéma, on le retrouve dans la littérature, on le retrouve dans les bandes dessinées, on le retrouve dans les arts plastiques, dans la peinture. Alors, évidemment, ce sont des fantasmes, ce sont des idées reçues qui sont cristallisées dans ces formes de réception. Mithra apparaît comme un dieu oriental, c'est un dieu aimé des soldats, un dieu au culte secret, au culte exclusif, sanglant, et évidemment un grand rival avec l'autre culte émergent à la même époque, le christianisme. Donc, vous voyez par exemple ici une œuvre qui est juste derrière moi et qui nous montre Picasso qui apparaît dans l'attitude de Mithra. Ben, c'est l'une de ses formes de réception. Picasso était un grand fan de corrida et c'est à ce titre qu'on le retrouve ici dans la position du tauroctone, du tueur de taureaux. Bien, si les artistes, les poètes, les romanciers s'inspirent de Mithra, c'est parce qu'il y a eu de nombreuses recherches à son égard, qui remontent en fait à la fin du 19e siècle. Et le plus grand spécialiste du culte de Mithra, c'était un Belge, c'était Frans Cumont, c'était un familier de Marimont, hein, c'était l'un des amis les plus proches du fondateur de notre musée, Raoul Waroquet, Frans Cumont. Frans Cumont était à l'époque la personnalité la plus célèbre sur le culte de Mithra. Il avait réalisé une œuvre de grande importance, une synthèse qui a été traduite dans plusieurs langues. Et pour ce faire, il avait réuni tous les monuments connus à son époque. Car en fait, des monuments liés à Mithra, on en a retrouvé depuis la Renaissance italienne, depuis le XVIe siècle. Vous en avez un ici qui a été acquis
par une des grandes familles romaines qui sont les Borghèses, mais on retrouve ces reliefs qui émergent du sol de Rome dans des manuscrits, dans les œuvres des antiquaires qui cherchent à en percer les secrets. Et on retrouve l'apparence de ces monuments sous la forme de gravures depuis le XVIe jusqu'au XIXe siècle. Alors, on l'a vu, l'image la plus fréquente de Mithra le montre en train de mettre à mort un taureau. Cette représentation constitue en réalité l'épisode central d'une histoire, d'une légende. Une légende que l'on peut voir sur une grande quantité de monuments, des reliefs, des sculptures. Et on a vu avec la pièce d'appel que le mythe de Mithra est connu par un grand livre d'images extrêmement impressionnante. Ici, vous avez deux exemples qui mettent en évidence deux épisodes. Le premier, qui est la naissance du dieu. Mithra voit le jour en émergeant d'une pierre, d'un rocher. Il est représenté nu et devait tenir sur cette sculpture deux instruments, un couteau et une torche, deux instruments qui annoncent ses exploits futurs. Puisque la mission de Mithra est de sauver le monde. La terre a été ravagée et sa mission de trouver le taureau pour sauver le monde, rétablir l'équilibre dans l'univers. Donc on a d'un côté des images qui sont très chargées, et de l'autre, on a des monuments qui viennent isoler des temps forts du mythe. Ici, la naissance de Mithra, et sur cet autre relief, on voit le dieu qui est en train de chevaucher le taureau. Donc on est au moment où Mithra a trouvé le taureau, et il doit le dompter avant de l'emmener dans la caverne pour le mettre à mort. On retrouve des monuments qui étonnent par leur iconographie. C'est le cas avec ce relief qui vous montre un Mithra jeune, enfant, qui tient le globe, qui annonce donc déjà ses exploits, puisqu'il devient un dieu supracosmique, un dieu qui sauve l'univers. C'est pour cette raison qu'on voit ici que Mithra tient un anneau sur lequel se retrouvent les symboles du zodiaque. Donc toute la mission de Mithra est vraiment de restaurer l'univers, de faire en sorte que les astres puissent retrouver leur course. Et on voit même des têtes qui représentent les quatre vents. Donc c'est vraiment une image du cosmos, une image de l'univers qui est représentée ici sur ce relief avec en son centre le dieu Mithra. Alors à côté de ces images, on en a d'autres qui sont encore plus étonnantes. Tel est le cas avec cet autel qui vous montre une figure surprenante, un démon à tête de lion qui est assez effrayant et qui renvoie là aussi au rôle de Mithra, puisqu'il pourrait symboliser ici une divinité qui renvoie elle aussi à l'univers dont il tient les clés dans la main. Donc c'est une puissance qui se fait l'écho du rôle de Mithra, de nouveau, en tant que sauveur de l'univers. Bien, alors nous sommes ici dans un sanctuaire, dans un temple de Mithra spécialement reconstitué pour l'exposition. Vous voyez que ce sont de petits temples, des temples qui étaient discrets, qui pouvaient accueillir quelques dizaines de personnes au maximum. Des temples aussi qui étaient souvent semi-enterrés, qui ressemblaient en fait à une forme de crypte, car il s'agit en quelque sorte d'une caverne symbolique. Le sanctuaire de Mithra rappelle en fait les épisodes du mythe. Et le temple de Mithra en lui-même apparaît comme une image du monde. On y trouve finalement des éléments terrestres, comme les animaux, qui évoquent les forces de la nature, mais on y trouve aussi des références, des éléments cosmiques, comme ces étoiles qui, par exemple, parsèment la voûte céleste, ou des images du soleil et de la lune. Alors, qu'est-ce que faisaient les adeptes au sein de ce sanctuaire? Ils prenaient place de part et d'autre de cette allée centrale sur ces banquettes latérales où ils s'installaient et où ils pouvaient participer à des banquets. Car avec Mithra, on pouvait manger à l'intérieur du temple et reproduire en quelque sorte le banquet du dieu que Nicolas vous a raconté dans sa légende. Alors on pouvait évidemment assister à d'autres types de cérémonies, les cérémonies d'initiation dont on parlera tout à l'heure, et tout cela évidemment face au relief cultuel à l'image de Mithra tuant le taureau. Et vous avez ici un autre relief qui nous vient de Francfort et qui reproduit cette image assez saisissante.
L'auteur de cette stèle, Libella, est un esclave initié au culte de Mithra. Il dédie ce monument à ses frères biologiques ou les autres adeptes de sa communauté cultuelle, porteurs du même grade que lui, le grade du lion. Les lions, nombreux, se revendiquent souvent comme tels dans les inscriptions. Statistiquement, ce sont eux qui doivent avoir constitué l'immense majorité des communautés mithriaques. Alors, qui étaient les adeptes qui honoraient Mithra? On a très longtemps cru que c'était un culte réservé aux soldats. Alors, c'est vrai, il y a des soldats. Vous avez ici une inscription d'un vétéran de Légion. Mais en réalité, le tableau est beaucoup plus bigarré. On y trouve tous les statuts. On a des citoyens, on a des affranchis, on a des esclaves. Toutes les professions sont aussi représentées. Des soldats, oui, mais aussi des marchands, des fonctionnaires, des médecins, des artisans. Bref, tout le monde pouvait être adepte de Mithra. Alors évidemment, ce sont des hommes, les femmes n'étaient pas admises au sein du temple, même si en réalité, elles étaient parfaitement au courant, évidemment, de l'existence de ces temples et de l'appartenance de leurs frères, de leurs pères, de leurs fils au culte de Mithra. Alors tous ces hommes, ils partageaient des valeurs communes, la fraternité, l'entraide, la camaraderie. Entre eux, ils se reconnaissaient, ils s'appelaient eux-mêmes les Syndexi, ceux qui sont unis par une poignée de main. Il est même possible qu'il s'appelait frère. Alors, Richard vient de vous parler des adeptes, mais que faisaient-ils à l'intérieur des Mithraeums? Eh bien, ils se réunissaient autour de banquets. Le banquet est une cérémonie importante, c'est le deuxième moment majeur qu'on pratiquait dans les sanctuaires de Mithra. Et il n'est pas anodin de remarquer que dans la forme des sanctuaires de Mithra, avec leurs banquettes, évoquent les salles à manger romaines, les triclinia. Alors, les fouilles archéologiques nous révèlent énormément d'objets dans les temples de Mithra et surtout de la vaisselle de table. C'est ce que vous pouvez voir dans cette vitrine, puisque l'on a à gauche une cruche pour servir le vin et à droite un vase à boire qu'on appelle un cantar. Alors, ces deux vases sont particuliers puisqu'ils portent des inscriptions, des devises latines. Sur celle de droite, on peut lire Deo Invicto, donc le dieu invincible, Mithra. Sur celle de gauche, Remisque, c'est-à-dire mélange. On en a d'autres qui sont aussi amusantes et qui invitent littéralement à la boisson, à profiter de la vie, avec bois tant que tu le peux ou ama, qui signifie simplement aime. On retrouve cette céramique en réalité un peu partout dans l'Empire. Elle était produite à Trèves, qui était la capitale de la Gaule-Belgique. Donc c'est une production caractéristique du 3e siècle après Jésus-Christ. À côté de cela, on a aussi des gobelets comme ceux-ci, qui sont ici mis en contexte, comme si on venait de les découvrir, de les mettre au jour, et qui sont des gobelets qui portent d'étranges marques, des petites croix, qu'on pense être liées à leur utilisation lors des banquets. Donc sans doute que les adeptes ont voulu marquer le fait que ces gobelets-là avaient été utilisés. Donc une vaisselle de table, des vases à boire, des cruches, qui nous permettent vraiment d'être au plus près de ces activités liées donc au monde du banquet. Un banquet qui a toute son importance dans le sanctuaire, puisqu'il se fait l'écho d'un autre épisode du mythe, dont on n'a pas encore parlé, qui est le banquet entre Mithra et le soleil. Donc en fait, on mange avec le dieu et on se remémore son histoire en participant à des banquets, comme l'a fait Mithra dans sa légende. Pour pouvoir devenir un adepte de Mithra, pour pouvoir participer au banquet au sein du temple, il fallait passer un rite d'initiation, c'est-à-dire franchir toute une série d'épreuves à forte charge émotionnelle, notamment des expériences de mort symbolique. On mourait en tant qu'individu pour renaître avec le dieu. On se retrouvait alors au bas d'une échelle de grade. On recevait un titre, celui de corbeau, dont les monuments anciens, comme ce relief de Bosnie, on voit ainsi un individu qui porte un masque de corbeau. Il faut savoir que dans l'ensemble de l'Empire, en général, il y avait trois grades. Le corbeau, c'était les néophytes, les serviteurs, et ensuite les lions. Les lions étaient les membres les plus expérimentés du culte. Et enfin, au sommet de cette échelle, nous avions le père. Mais dans certains sanctuaires, comme en Italie, à Rome, ou dans le port de Rome à Ostie, on pouvait aller jusqu'à 7 grades. Et c'est un peu ce qu'on voit, ce que représente cette symbolique qui va du grade du corbeau jusqu'à celui du père. Dans cette section de l'exposition, nous suivons les traces de Mithra à travers l'Empire, et plus précisément Mithra dans nos régions, c'est-à-dire la Gaule-Belgique, mais aussi la Gaule-Lyonnaise.
Les fouilles récentes nous révèlent de nouvelles informations qui nous permettent de mieux comprendre les modes d'implantation du culte de Mithra dans cette partie du monde romain. Et c'est le cas avec une découverte récente et exceptionnelle qui a eu lieu à Angers, dans la Loire, où l'INRAP a mis au jour un temple de Mithra qui nous a livré non pas des objets spectaculaires, mais de très petites pièces, qui vont littéralement contraster avec les reliefs imposants tels que celui que vous avez pu voir dans le Mithraeum. C'est le cas avec une partie de ces pièces où vous voyez ici qu'on a retrouvé les fragments de la thoroctonie. Une tête de Mithra, sa jambe, une partie du relief avec des fragments nous montrant une sculpture de chien ou de lion, qui nous permettent de comprendre comment aussi ces sanctuaires ont disparu. C'est le cas avec cette tête qui est martelée, qui nous montre un des compagnons de Mithra dont le visage est littéralement effacé. Et ce qu'il y a de fascinant avec ces découvertes récentes, c'est qu'elles ont aussi révélé des objets étonnants, d'un culte presque exotique. C'est le cas avec notamment des lampes à huile qui vous montrent une tête de Nubien, donc d'un personnage d'origine nubienne, donc africaine. Ou encore un vase fragmentaire zoomorphe en forme de cerf, qui est tout à fait exceptionnel et unique, qui n'est attesté que à Angers. Autre découverte étonnante, ce petit vase Stanley qui vous montre un petit singe jouant de la musique. Alors, le cas du Mithraeum d'Angers est un parfait exemple de l'apport des recherches archéologiques récentes. Désormais, on étudie de manière très fine non seulement le mobilier archéologique, mais aussi toutes les traces qui nous permettent de comprendre ce qui était consommé, notamment lors des banquets, c'est-à-dire essentiellement de la volaille, des porcins. Donc une analyse plus fine qui nous permet de mieux comprendre les rituels, les adeptes, à travers des vestiges, des témoignages de plus petites dimensions qui viennent contraster peut-être avec les pièces plus imposantes que l'on a pu voir ailleurs dans l'exposition. Alors nous arrivons maintenant à la fin du parcours de l'exposition, avec une question. Comment le culte romain de Mithra a-t-il disparu? Il s'agit en réalité d'un phénomène complexe. Le culte de Mithra est un culte privé, et donc éphémère. Durant l'Empire romain, des communautés sont apparues, ont pu disparaître pour tout un tas de raisons. Ce qui est clair, par contre, c'est qu'au IVe siècle, les édits impériaux qui interdisent les cultes païens vont bien évidemment accélérer le phénomène et provoquer donc la disparition du culte de Mithra. Celui-ci sera ensuite redécouvert à la Renaissance, des théories vont être élaborées, des théories qui vont aussi contribuer à véhiculer tout un tas d'idées reçues. Vous l'aurez compris, on boucle ainsi la boucle. Cette stèle, une des dédicaces mithriaques les plus tardives, montre l'extension du culte de Mithra qui s'implante aux confins de l'Empire romain alors que le christianisme s'étend de plus en plus. Le dédicant place cette inscription en l'honneur de la maison divine, c'est-à-dire de l'empereur Constantin, pourtant chrétien. Le culte de Mithra finit par être interdit et par disparaître, laissant peu à peu la place au christianisme. Le culte de Mithra sombre alors dans l'oubli. Aujourd'hui, les archéologues en retrouvent progressivement les traces. Un nouveau Mithraeum est ainsi découvert presque chaque année.